Bien le bonjour d'Helvétus en agréable compagnie de... Zelda 1894. Formidable. Alors, dans l'épisode précédent, nous avions eu quelques difficultés à vaincre un monstre et nous étions arrivés un peu fatigués dans cette clairière. Et voici nos petits routes. Peut-être veulent-ils des câlins? Qu'en penses-tu? Je pense que c'est une bonne idée. Alors, attendez, là je mets le masque pour voir s'il y a des traces d'autres copains. Il n'y en a pas. Ok, ça c'est l'objectif principal. Alors... Voilà, je devais m'éloigner un petit peu. Alors, lancez les petits. Oui. Bisous. Oh, il y a peut-être un bug dans ce jeu, parce qu'ils sont très très loin. Bon, ok. Comme je le dis souvent, la récréation est terminée. Alors, nous étions arrivés ici et nous n'avions pas pu activer la chose. Mais en réfléchissant, il y a plusieurs possibilités. Déjà, on va aller voir. Si vous entendez suffisamment la musique, nous avons un système un petit peu complexe. Voilà. C'est difficile de doser les voix et la musique quand on stream à deux. Mais je ne sais pas trop quoi faire. Mes routes ne peuvent pas faire grand-chose. Vous êtes bien loin, les amis. Bon. Il faut ouvrir ici. Ça vibre dans la manette. Oui! Bravo! Magnifique. Alors, Zelda est ma conseillère, mais nous allons nous passer la manette, les amis, parce que c'est pas facile. J'ai l'impression qu'on a peu de volume, mais j'augmente un petit peu. Il faut réoublier. Ah, mais c'est mon conseiller. No one knows the true age of these shrines. Oui, nous étions avec un volume un peu the people who built them have long been forgotten, but their work still remains. Watching over the forest like ancient guardians, Taro's spirit has corrupted the shrines and sealed the entrance to the guardian tree. I can feel Taro's presence there. I've marked the shrine locations on your map. Alors, on va devoir trouver des sanctuaires. Je vais augmenter le volume. Elle va essayer de purifier la chose. Voilà, amour de Taro, nouvelle quête. Restaurer les sanctuaires anciens pour ouvrir l'arbre gardien. Ouf, que d'activité. Alors, attendez, je vais baisser peut-être un cran. Voilà. On va regarder sur la carte tout de suite. Qu'en penses-tu, Zelda? Ouais. Oula! Alors, restaurer le sanctuaire des eaux, de pêche, des bois, de l'arbre divin. Ah, nous sommes dans une autre zone. Alors, figurez-vous, en haut à droite, vous voyez les routes 0 sur 14. Ce qui veut dire que la zone précédente, on ne les a pas tous trouvés. Non. On en a pour l'instant 19. Ouais. Alors, il y a beaucoup de choses à faire, des coffres maudits, des chapeaux. J'aimerais bien acheter des chapeaux à nos routes. Hein. Ouais, donc on a beaucoup à faire. Il va falloir descendre ce petit sentier, explorer. Là, il y a une zone qui est verrouillée. Sanctuaire des bois. Ok, ok. Bon, bah, ok. Allons-y. Tout droit à droite, allons-y. Alors lui, c'est notre conseiller. Hein. Mais bon, il m'a dit ce qu'il avait à dire. Est-ce que je peux faire quelque chose là? Oui, là, on peut avec L1, pardon. Quand on fait teinter en fait ces clochettes, on obtient des ressources, mais je trouve rien pour les dépenser. Pauvre route, privée de cadeaux. Alors, est-ce que c'est le bon endroit? Oui. Là, on dirait. Ouais. Tout droit et à droite. Même si j'ai peut-être pas exploré hein, les recoins.
Dès que tu as une suggestion à Zelda, tu me dis. Pour l'instant, pas. Parce qu'on a bien constaté, les amis, que aller à gauche et à droite est des fois une très bonne chose, parce qu'on découvre tout un tas de possibilités, de ressources qui sont dissimulées. Alors, attendez, je vais quand même mettre mon masque pour voir s'il y a quelque chose. Non. Non. Nous cherchons les traces de Patoun qui nous indiquent où sont les routes. Alors, l'objectif principal est là, et on voit les zones bleues. Donc ça, c'est pour la souquette, hein, ces quatre choses. On doit aussi trouver des reliques, hein, sauf erreur. Il y a de la corruption là-bas. Je ne sais pas si j'ai raison de venir par là. Hop. On peut passer des heures à explorer. Ah, il y a comme une stèle là-bas et là. Quelque chose là-haut avec de la lumière, est-ce qu'on peut mettre non. Après ok, là on a fait le tour, hein. On vient de là. Je vais quand même retourner deux secondes, je m'excuse de faire des allers-retours, mais on était focalisé par notre guide, vous voyez, et on a raté des choses. Ouais, j'ai bien raison. Vous voyez, on redresse une statue chat, et du coup on obtient du karma, ce qui est précieux, hein. Et nos routes en bas à gauche sont tout jaunes, donc ils sont tout contents, ils ont fait leur bonne action. Là, j'ai appris à me méfier, hein. C'est quoi ça? Non, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tiens. Non. C'est très malin d'ailleurs dans ces jeux, hein. On vous amène à vous précipiter vers le personnage principal, vous le voyez là-bas, et puis du coup vous n'explorez pas ce qu'il y a tout de suite à côté. Mais nous avons le temps, nous sommes en mode histoire, parce mais que oui. Zelda adore. Oui. On pourrait prendre le mode gros bourrin, mais ça ne nous correspond pas, et je pense que nos spectateurs apprécient un peu de calme. Avant la tempête. Oui, non, on n'a rien à te dire. Alors, on va tout droit? Tout droit. Ah, tu me dis aussi si tu as une suggestion, hein, Zelda? Non, pour l'instant ça pas. Bon, là, de toute façon, on vient de tester. Voilà, là-bas, il y a de la corruption. Alors, de toute évidence, il faudra tôt ou tard nous y rendre. Il y a quelque chose de bleu là-bas, hein, devant cette stèle, mais je ne sais pas, tout au fond. En tout cas, pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose. Je vais même voir si mes petites routes ont laissé des traces, mais non. Il y a quelque chose là-bas. C'est pas de très lumineux, blanc, en dessous du logo jaune. Hein. Ouais, je vois aussi. Ouais, je ne sais pas, ça m'intrigue. On va aller voir. Oui, ça clignote un petit peu. Est-ce qu'on peut y aller, là? Non, mais on doit pouvoir. Il se passe quelque chose, là-bas. Ah, mais attendez, il y a des recoins, là, sur la berge. Est-ce qu'on peut y aller, de façon ou d'une autre? Oh, joli. C'est comme un bouclier. Il va falloir y aller là-bas. On n'a pas besoin de secret, mais comment? C'est pas tout de suite. Hein. Ah, des fois, c'est des fausses pistes aussi. Ils sont... Ah, il y a un coffre. Alors, le coffre, quand il est bleu, hein, on l'a entreaperçu, je dis ça pour Zelda. C'est qu'il est bon. C'est que, voilà, il y a des ressources et ça se passe bien. Mais quand c'est rouge, il y a des vilains. Alors, ah, là, il y a quelque chose qui est cassé. Là, il y a à faire. Et oui, petit route qui n'avait pas attendu. J'entendais quelque chose, la musique est un peu faiblarde, mais je m'excuse. C'est aussi un compromis que nous avons fait pour ce stream. Alors là, ça ne déclenche rien. Faut voir si on est au bon endroit. Oui, on va déjà regarder sur la carte, excellente suggestion. Ah oui, nous sommes allés même plus bas que nous pensions, regardez. Alors de toute façon, là on s'égare, hein. Il faut qu'on remonte pour aller peut-être au premier point ou celui-là. Donc on doit prendre le sentier qui est à notre droite. Ouais, on s'est égaré là. Mais bon, ça fait partie de l'exploration, hein, même si c'est pas très cohérent. Il n'y a que ceux qui... Ah, je vois un élément là que nous pouvons sans doute voilà, activer. Hein. Pensez-y, ça vous fait des ressources. Ouh là 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 là, vilaine corruption là-bas. Est-ce qu'on fait ça maintenant ou plus tard, Zelda? On peut faire ça maintenant. De toute façon, c'est un sanctuaire qu'il faudra aller faire. Ouais, sanctuaire de pêche. Oui, sauf que je crains des attaques massives de bestioles.
Ah, là-bas, regardez. C'est quoi ce truc? Il y a une flèche. Ça a fait quelque chose. Ça a allumé cette sorte de brasero. Je ne sais pas ce que ça apporte. Il y a quelque chose là-bas aussi. On va aussi porter le masque pour voir. Non. Ah, désolé. Écoutez, on va faire des bisous. C'était pas voulu, mais... Oui. Alors, cette pierre est luminescente. Qu'est-ce que ça apporte? L'autre aussi, là-bas, regardez. Hein. Il y a une sorte d'urne à côté de... Et c'est quoi, là-bas? Bizarre. Alors, je voulais porter le masque. Ouais, il y a cet élément que j'avais repéré. Qui est luminescent. Je ne sais pas ce qu'on doit en faire. Il n'y a pas de trace d'amirote. Bon, on va se préparer, je pense, à un combat quelconque. Oh, il a... Il y a là-haut dans les arbres. Encore beaucoup beaucoup à faire. Alors écoutez, allons face à notre destin, je ne sais pas. Déjà aller par là-bas. Ah, il y a quelque chose aussi là. Un petit recoin. Oui. Ah, plusieurs familles de pêche usée, une conception simple mais efficace. Ah. Oui. On veut que j'aille là-bas. Ah, on peut porter le masque quand il y a ce symbole. Hein. Oui, utilisez le masque. Karma. Et plus que du karma, parce que quand vous allez sur les esprits, voilà, vous avez des souvenirs, c'est ce que nous avons vu, nous avons assisté à des souvenirs, donc 3 sur 4. Par contre, j'ai dans l'idée que ces paniers vont nous servir, ça nous les a montrés dans la cinématique. Alors, est-ce que c'est là ou plus loin? Je ne sais pas. Ah, ça m'a donné des... C'est bizarre. Ah, là aussi il y a une chose. On va aller vers ces paniers, je pense qu'on doit faire quelque chose avec, mais je ne sais pas trop quoi. Ouais, et tout là, ça clignote tous les azimuts. Je ne sais pas si tu as vu. Oui. D'ailleurs, on a un route qui est tout bizarre en bas à gauche de l'écran. Ah ouais. Mais ils sont trop choux. C'est hallucinant ce jeu. Ok, donc là il n'y a rien. Mais là, contre, oui, là il y en a un truc. Les paniers. Du karma. Mm. Et mangez, les petits. Prenez des forces avant des combats. Et normalement tu pourrais monter aussi. Oui, tout à fait. Ce que je ne sais pas, c'est si là. Là-haut, tu veux dire. Monter sur les paniers. Sur les. Les rochers. Oui. Non. Essaye de tirer une flèche. Oui, on va essayer ça, je pense. Il y a de la malfaisance. Oui. On entend des déclics, mais je ne sais pas à quoi ça. Il y en a un là-bas au fond. Pour l'instant, on ne se fait pas attaquer, mais je crains le pire. Alors, on ne doit pas les toucher, parce qu'on a vu comme combat le fait d'entrer en contact physique. On peut quand même observer aussi là. Là, je ne peux rien faire. Non, mais regardez les routes qui nagent. Ah non, mais c'est super chou. Oui. On va aller là. Là aussi, regardez. Ah, il y a des décrochements. On va aller voir là-bas. Je ne sais pas ce que ça fait, mais ça allume le brasero. Bon, on va revenir. On va regarder ici ce qu'on peut faire. Ok. On va devenir riche là parce qu'on a fait des choses. Hein. Mais où? On va y aller, hein, on va. Je fais juste une micro-exploration, je m'excuse. On a rien à faire. On est où sur la carte? On est en train de s'éloigner, on va faire demi-tour. Et là-bas, c'est un endroit où on n'est pas allé, on n'est pas exploré. Il y a une sorte de caverne, je ne sais pas quoi. C'est intéressant. Je suis toujours à la recherche d'amis, hein, je dois dire. Je vais farfouiller un peu avant de me trouver face à des créatures, je pense. Essaye de mettre le masque pour voir si... Oui, oui, oui.
Excellente suggestion. Non. Non, par contre, il y a quelque chose à faire dans l'arbre là, ici. Je sais pas pourquoi. Ah oui, on peut tirer dessus. Je sais plus ce que ça apporte. Hein. Il ici, a là. Normalement de la nourriture pour les routes. Ah oui. Ah oui. Non, un route. Eh bien, un route. Oh, on a eu une bonne idée. Allez. Ah oui, bon. 20 sur 35 pour l'instant. Oui, on n'a pas trouvé dans l'autre zone la totalité, mais il m'en manquait un ou deux, je crois. Puis là, il y a aussi une. Je vais retourner, je vous rassure. Ok. J'aimerais bien avoir un marchand, parce que c'est pas le tout d'accueillir. D'accueillir. Ah oui, puis là, on peut tirer dessus, je pense aussi. Que ça a mangé pour les routes. Ouais, manger. Oh, mais vorace. Bande de goulu, vous avez vu comment vous êtes précipité. Eh ben. Puis tu reçois du karma. Aussi. Voilà, puis eux, ils sont contents. Voilà, alors, on va aller voir maintenant à nouveau là d'où on vient. J'espère que je suis en train d'aller dans le bon endroit, Zelda, faut me dire, parce que je suis en train normalement, oui. Mais sinon, tu peux regarder la carte. Oui, c'est juste. Ouais, ok. On l'a fait. Ouais, okay. Alors. Alors ici, j'ai tiré, je sais plus. Oui, t'as tiré. Ok. Allez voir. Je ne sais pas pourquoi. Cette zone a l'air préoccupante. Et celui-là encore. Ça allume le brasero hein, dessus. Donc je pense qu'une fois que tout sera. Je peux pas tirer là, faut que je fasse la carte. Non, je peux pas. Comment je peux viser? Je dois mettre pied. Ah, peut-être non. J'ai pas pied là. Je peux pas monter sur la branche. L'idée c'est de tirer dessus le rocher et les sous-l'eau. Je peux pas me pied. Ah, si, peut-être. Non, non. Ok. Alors, écoutez, on va essayer de. Une ruse, il faut que j'active. Bon, c'est peut-être voulu, on veut que je prenne pied, je pense là, ce qui va sans doute déclencher les créatures. Et il y en a encore un autre là. Ouais, mais les autres, ils se sont éteints, je crois. Est-ce que j'ai un laps de temps pour le. Ouais, parce que si on bande l'arc, hein, ça c'est pour Zelda, longtemps, on peut aller plus loin. Je pense qu'ils se sont tous éteints. Ouais. Est-ce que j'ai un chronomètre pour faire ça? Je ne sais pas. Je pense qu'ils se sont tous éteints. Puis ça, c'est pas fait. Hein. Ouais, ils sont tous éteints. Donc, ouais. Il faut faire quelque chose avant. Ouais, alors, ou le faire après, je ne sais pas. Il y a une flèche, voilà. Et l'autre, il est là-bas. Allez, là, ouais, moi, je fais ça. Non, je ne sais pas. Ça sert à rien, je ne sais pas. Non, ils se sont tous éteints. Donc ça sert à rien. Je sais pas où je fais pas juste. Alors, ce qui m'inquiète, c'est qu'ici, il y a de la malfaisance et je ne peux rien faire. Ce qui est bizarre, c'est qu'on avait vu. Ah, bah, il y a quelqu'un dans la rue. Qu'est-ce qu'on ne fait pas juste? Qu'est-ce qu'on ne fait pas juste? Est-ce qu'on est au bon endroit? Alors. On est de toute façon à, oui, à un des sanctuaires. D'accord. Pour ouvrir l'arbre gardien, on doit de toute façon le restaurer. Mais bon, là, je ne peux pas tirer. Il est de toute façon pas à l'état de recevoir. Et ça ne sert à rien. Ouais. C'est bizarre. Parce que comment voulez-vous que je fasse ça en... Ah. Ah. Deux. Je sais pas. Trois. J'essaye de faire vite, mais. Oui, c'était ça. Ah ben voilà les. Oh, mais les crêpes. Ah, bouclier. Ah, je sais plus comment on fait. Ah, Zelda, au secours. C'est quoi les touches? Ah. Oh, mais c'est des. C'est quoi les touches? Je sais plus.
Sephiroth. Désolé, vous avez eu peur, je sais. Ah, la plante. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Qu'est-ce que j'ai pas fait juste? Ah, j'ai peut-être pas tué la plante suffisamment tôt, c'est ça. Je sais pas. Est-ce que Zelda voudrait essayer? Ouais, je vais essayer. Bon, je pense qu'il faut recommencer pour activer ces bestioles, les tuer rapidement et après plonger les routes, précipiter les routes jusqu'au cœur de la plante. Ouais. Ouais, très bien. Voilà, c'est ça. C'est qu'en étant sur l'île, nous, l'erreur qu'on a commise, peut-être avancer un petit peu. Voilà. Voilà, et puis la dernière. Non, c'était. Je crois que la musique on a entendu vite. Ouais. Ouais, faut pas perdre du temps. Voilà, vite. Vite, celle-là. Non, il y a la branche. Faut avancer. Vite. Ah, je crois que ce bruit, ça veut dire que c'est fini, hein, ce vœu. Ouais. Essaye quand même, mais. Je pense que c'est foutu. Voilà, alors, ça n'a pas fonctionné, donc fais les autres vite. Voilà, vite à droite, voilà, encore deux. Hein. Vite. Voilà, vite à l'autre. Voilà, vite. Voilà, alors, il faut tuer ces bestioles. Non, mais elles sont en l'air, hein. Il faut les retourner. Tire une flèche. Non, mais sur les bestioles. Vite. Non, mais avec l'arc. Vite. Il va mourir. Voilà, deuxième maintenant. Les routes. Et puis espérons. Est-ce que là on peut faire quelque chose? Oui, peut-être, non? Non? Non. Attends, qu'est-ce qu'on peut faire là? Peut-être aller prendre ces trucs de courage là. Voilà. Ça ramène du courage aux routes. Quelque chose que nous ne faisons pas juste. Hein. Nous voulons purifier, mais. Donc il y a ces deux bestioles, ça je peux admettre, on les tue, mais après la plante ne bouge pas. Hein. On est d'accord. Ouais. Ah. Bon, ben, on reviendra parce que pour l'instant on n'a pas d'idée. En tout cas, on a découvert qu'il fallait tirer sur ces quatre trucs. Est-ce qu'on essaie? Alors, est-ce que. Je vais essayer une dernière fois hein, de simplement peut-être faire ça, mais de m'occuper surtout de la plante, de voir, d'essayer. Ah mince. Ouais, je reconnais que les commandes ne sont pas toutes. Voilà, est-ce que sur la plante on peut faire quelque chose? Non. C'est la flèche. Voilà, est-ce que la plante bouge? Non, la plante n'est pas rien. Chose que nous ne faisons pas juste ou que nous ne. Ouais, je ne sais pas. Attendez, il y a rien. Moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'on nous a montré quelque chose avec les paniers. Je ne comprends pas. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ces paniers? Moi, je vois pas. C'est peut-être une idée saugrenue. Non. Bon, on va aller voir l'autre sanctuaire. Voilà, je laisse les commandes à Zelda. On va essayer d'être plus malin sur les autres. L'arbre divin. Oui, peu importe lequel, voilà. Il faut se rendre sur la zone, je pense. Très étrange, je ne sais pas. Quelque chose qui m'intrigue. En tout cas, il faut tirer sur ces cristaux bleus, hein, ça c'est clair. Ça, c'est forcément ça. C'est juste. Voyons voir si je suis juste. Oui, pas mal. Oui. Ensuite. Ouais, il est là-bas. Hein. Ah, il y a de la nourriture à route sur l'arbre. À moins que ce soit une nouvelle amie. Mais bon, ils vont pas nous le faire souvent, ça, je pense. Non, il n'y a rien. Non. Ok. Mais je suis juste. Ouais, c'est juste. Et puis pendant ce temps-là, on explore. Ouais. Oh non, ça, on regarde un petit peu. De toute façon, on va revenir. Hein, on devra revenir.
faut y aller à l'envie du joueur. Stop, stop, stop. Sur la gauche, il y a une statue à dresser. Allez, faites quelque chose. Ça nous donnera du karma. Ah oui, sauf qu'il faut la... Oui, alors stop. Quand on a ça, qu'elle retombe, c'est qu'il faut aller la poser sur un socle. Alors, exploration, il faut trouver dans les parages immédiats, assez près, un socle. Il y a un endroit où on doit pouvoir la poser. Je sais pas. Il faut voir où c'est. Non, mais c'est pas forcément très loin. Ça peut être vers la maison. C'est comme une dalle souvent ronde et puis il faut aller ouais, la mettre. Ouais, je suis en train de chercher. Oui, attends, ils sont là, les routes à gauche. Oui, j'ai vu. C'est un indice, non? Je sais pas, ils peuvent pas la mettre là. Non. Ah non, c'est celle-là, bien, c'est stupide. Autant pour moi, Helvétus Sonnet. Ah, mon conseiller est là. Donc là, il y a un point... Oh, là, il y aura quelque chose, une porte à ouvrir. Oh, il y aura à faire à cet endroit-là, mais on va peut-être pas le faire immédiatement, hein. Ça, c'est un autre truc. Il y aura une porte à ouvrir, parler au guide. Non, on est trop loin, à mon avis. On est trop non. Loin. Non, non, on est trop loin. Non. Attends, je vais quand même essayer. Voilà. Donc, ça, on ira plus tard. Là, il y a un point de téléportation, les amis. Je ne sais pas si. Je vais cliquer là. Voilà, on peut matérialiser, mais on ne va pas choisir. Ah, si, là. Clac. 305. Ouais, je vais quand même aller voir parce que ça m'intrigue. Ça m'intrigue, il y a ce truc. Voilà, on va quand même aussi voir s'il y a des traces de... Là-bas, il y a un truc qui brille. Ouais, exactement. Ouais, il y a un coffre, on va aller voir. Hop. Exact. Oui, il y a quelque chose. Ah, toujours des ressources, hein. C'est cristaux, je ne sais pas. Ce qui m'intrigue, c'est que je n'ai pas vu de marchand de chapeaux. Je pense que le marchand de chapeaux restera au village. Non, j'en ai eu un deuxième, hein, figure-toi Zelda. J'en ai eu un deuxième dans un recoin, justement, en explorant dans une forêt. Attendez, là, qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a rien. Non. Je sais pas, c'est bizarre, ça ne doit pas être loin. Hein. Faut toujours se... Ah, là, il y a des plantes à manger. Reprenez des forces, Pokébot. Ah, ça me fait du karma, donc c'est un gagnant-gagnant. Ça te fait monter le truc des routes. Ouais, je sais pas exactement à quoi ça correspond, je dois dire. Ah, vous voyez dans les recoins ce qu'on trouve. Ok, 1380. Bon, c'est... Il y a un socle, je ne comprends pas pourquoi je ne le vois pas. Ah. Ouh. Ouh. Oula, qu'est-ce qu'on fait? On le tente. C'est vrai? Je le tente très bien. Alors, je vais passer les commandes à Zelda. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de nouveau des trucs à bouffer. Ouais. 165. Ah, ça me donne aussi du karma, hein, ce qui n'est pas plus mal. Attendez, avant, on va juste aller voir, avant d'affronter des créatures, parce que le coffre est maléfique, ce que l'on peut éventuellement faire comme amélioration. Alors, j'ai 100 de karma, je peux faire quelque chose pour les rôtes. Marteau de rôtes. Donc R2 carré, on pourrait prendre ça, ou sinon, ça j'ai pas assez. On fait plaisir à nos routes. Oui. Marteau de karma. Mm-hmm. Donc R2, hein, tac, R2, tac, tac. Hein. Carré, oui. Voilà. Allez, c'est parti. Débloqué. Débloqué. Accepté. Ouais, parce qu'on a débloqué beaucoup de choses pour Kenna, mais on n'a pas été très gentil. Hein. Alors, attendez, est-ce qu'on peut le tester, là, juste pour voir. Donc, tac. Ah oui, donc à la seconde où j'appuie longtemps, on me propose. J'ai quelques secondes pour cliquer sur le truc. Okay, ouais. Alors, je vais laisser les commandes, il va y avoir des combats. Bravo Zelda. Alors, il faut vaincre tous les comptes, il ne faut pas être touché. Hein. Ouais, voilà. Encore 4 ennemis, moi je vais t'aider. Il ne faut pas être touché, bouclier. Bouclier. Ouais. Deux ennemis encore. Hein. Ils vont se matérialiser. Ouh, vilain. Bouclier. Oui, tu peux. Alors, il faut viser sa partie jaune. Hein. La partie jaune qui est comme un pustule, il perd beaucoup de vie. Avec une flèche, avec une flèche. Loin, loin, loin. Il faut viser. Lui, il faut le tuer. Ouais, le coffre. Ouais, c'est trop tard. Tu as été trop touché, donc il faut recommencer. Alors, quand ils ont ces sortes de pustules jaunes,
il faut les viser avec une flèche, à distance, s'entend. Hein. Oui, et donc, ils perdent énormément de vie. Okay. Les autres, il faut leur donner des coups de gourdin et, si possible, leur donner un bouclier quand ils vont te toucher. Okay, déjà, le bouclier, c'est ça. Ouais, voilà. Ah, voilà. Voilà. J'ai oublié. C'est pas grave. Alors, c'est reparti. Donc, 5 ennemis, hein, 39 secondes. Parce qu'il y a un compte à rebours. Hein, oui, je sais. Bouclier. Oui, voilà. 4. Oui. Oui, c'est ça, c'est chronométré. 26 secondes. Vite, 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 vite. Vite. Oui, encore 2. Voilà. Il n'y en aura plus qu'un. 17 secondes. Celui-là, il faut lui. Bouclier. Tire-le dessus. Vite, vite, vite. 11 secondes. Vite, vite, vite. Avec le... L'arc, avec l'arc, avec l'arc, avec l'arc. 6 secondes, vite, 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 vite. Oui, très bien, vite, 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 vite. Donne-lui des coups. J'en ai plus qu'un, on me saoule. Parce que monsieur Helvétius veut tester. Oui, par contre, du coup, le coffre est encore là. Mais je dis pas, c'est très... Bon, on va faire une seule tentative. Hein. Voilà. On en est où de nos pouvoirs? 20, donc. 65. Ouais, c'est ça qu'il faut faire, je pense. Quoi. Ouais, mais ils ont pas de courage alors. Combien de secondes? Il faut me guider. T'as réussi. Yes. Voilà, oh. Et il devient bleu. Oh, Seigneur Marie. Oui, oui, mais bon, je dois beaucoup à Zelda, hein, parce que j'ai vu aussi ce que l'on n'avait pas fait, peut-être, qui ne servait pas à beaucoup aider. Voilà, mais le marteau des rôtes a été déterminant, je dois dire. Il est où, ce coffre? Il a disparu? Ou c'est bon? Non, ah, il est là, voilà. Oui, j'ai remarqué, lors d'une précédente vidéo, il arrive, quand vous échouez au coffre, que vous vous retrouviez, pour une raison qui m'échappe, plus du tout à l'endroit où vous étiez. Vous pourriez, par exemple, être tout au fond, là-bas, vers l'arbre, alors qu'en fait, voilà, là, c'était un peu ce qui s'est passé. Un nouveau chapeau pour les routes. Un chapeau. Youpi. Voilà. T'as oui, beau. Sauf que... Ah, super. Nouveau chapeau de route. Oui, il y en a... Et oui, certains, ils n'ont pas de chapeau, mais ça vient, les amis, mais on n'a pas de... Voilà, alors, c'est très bien. On va aller à celui-là, là, on a dit. Mm-hmm. Ouais, c'est celui-là qu'on doit faire, donc c'est derrière, à droite. Bon, on était dans notre exploration, alors c'est derrière moi, à droite, donc c'est là-bas. Quelque part. Ah là 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 là. Puis pourquoi ça ne fait rien? Parce qu'on l'a déjà fait. Oui, je sais, mais c'est bien. Ouais, c'est peut-être ça. J'aurais dû tomber. Ah, attendez, là on est allé. Là. Ah oui, c'est plus loin à droite, encore plus loin à droite. On va voir. On n'a toujours pas d'amis route qui sait. Oui, bon, là, c'est pas la priorité. On aura beaucoup à faire, je pense. On va aller voir là. Ah, il y a deux endroits, à droite ou en face. On va où? Bah, je sais pas où il y en a. Oui, c'est pas ça, c'est qu'il peut y avoir des recoins. Attends, à tout moment. Ah, non, c'est pas ce que je voulais faire, excuse. On fait des bisous, et puis c'est. Ok, oui. Oui, vous avez pas vos chapeaux, hein. Oui, il y a ça qu'on cherche. Ah, il y a ça là-bas. Oui. Bon, mais écoutez, on n'a pas trouvé l'endroit où le mettre. Bon, le seul endroit où on pourrait le mettre, c'est là-bas, peut-être. Quelque part ici. Oui. Ah, trois stèles. Oui, c'est là. Alors, les petits routes. On va vous donner l'ordre d'aller le chercher. J'attends d'avoir la commande. Utiliser les routes. Est-ce que je peux être tout prêt? Ah, utiliser des routes. Voilà, ok. Maintenant, moi je vais là-bas. Je vais vous dire où le mettre. Ici. Voilà, il en faut trois. Là. Voilà. Et puis. Ah, mais vous avez lâché le truc? Ou bien? Ah mince.
Elle vous accompagne? Ouais. Oh. Over there. Ouais, peut-être que je dois y aller. Ah oui, c'est trop loin. On va y aller en plusieurs étapes. Allez, vous passez l'objet. Voilà. Ok. Donc on va y aller en plusieurs fois. Mmh. Ouais, je pense que vous n'avez pas une marge de... Voilà, on est par là, et après on va aller là-bas. Peut-être c'est l'erreur, je ne sais pas. Voilà. Est-ce que je peux aller là-bas? Si ça joue, on va y aller. Non. Non, ils sont trop loin. Ouais, on va déjà venir là. Voilà, je vais passer l'objet. Ils arrivent là. Oui, oui. C'est une idée, hein, je ne sais pas. Voilà, puis là. Voilà. Là, vous avez une forme de flamme, vous voyez. Ouais. Donc, c'est juste. Et voilà. Et du karma supplémentaire et une bonne action. Donc, qu'en déduisons-nous, Zelda, là? Qu'il faut trouver deux autres. Exact. Ah, vous voyez l'exploration. Hein, on serait passé beau droit là-bas, on n'aurait rien vu. Mais en allant sur les côtés, on avait trouvé cela. Donc, faites des tours, des détours et des retours. Maintenant. Attendez. Oh, il y a une chose là. Je vais mettre le masque quand même. Vérifier qu'il y a... Non, il n'y a pas d'amis par là. Par contre, regardez sur la carte où on est. On y est presque, c'est celui-là, là. Ouais. C'est sur la gauche, là. Ça m'intrigue aussi, ça. Hein. C'est ce truc-là. J'ai envie d'aller voir. Ah, c'est une porte. C'est une porte. Ok. Ouf, il y a de la malfaisance là-bas au fond. Alors, on va aller plutôt là-bas. Essayer de comprendre. Je ne fais pas juste. Et où on doit aller là-bas, je crois. Mmh. Ah. Ah. Écoutez, pas mal. On fait ça maintenant ou après? Après. Ok, alors relâchez-le. On sait où il est. On va le mettre juste par contre là pour bien le voir. Voilà, là. On le verra. Il va retomber. Voilà. Relâcher, voilà. C'est en plein milieu. Alors, oula. Donc là, on est en contrebas, mais par contre, ici, on peut monter. C'est bizarre, je ne sais pas ce qu'il y a. Là, il y a une sorte de mini-sentier. C'est de l'exploration, hein, les amis. Ouais, je pense que tu dois passer là. Ah oui, on peut aller en contrebas, là. C'est pas trop dangereux, là. C'est le sanctuaire. Il est au sanctuaire sur la carte. Il est à gauche. Ah mais attendez, c'est celui-là qu'on n'a pas vu là. Donc c'est à droite. Donc c'est là-bas. Le sanctuaire de l'ordre du vin. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas passé celui-là là. Oh, il y a cette arme. Ouais, c'est là. Ouais, c'est à gauche toute. Alors, qu'est-ce qu'on a raté, c'est ça? C'est peut-être qu'il faut mettre les trois. Bon, attendez. On est où là? Non, on est trop bas. C'est sur la gauche, c'est là. Hein, Zelda, tu vois, c'est là. Ouais. Ça, on le fera après. On n'est pas très loin d'ailleurs, Amour de Taro, c'est la suite, mais il faut qu'on. Non, non, alors c'est sur la gauche là-bas. Comment on peut y aller? Comment je peux aller là-bas? Je n'ai pas accès à la gauche. Quel moyen d'y accéder? Alors, là-bas, en contournant peut-être, là, quelque part. Désolé, on est en train de s'égarer un petit peu, mais... C'est là? Ah ben c'est là où on était tout à l'heure. Mm-hmm. Ça en est un autre? Non, c'est le même. Ah, c'est le même. Bon, alors celui-là, ça, on l'oublie aussi, alors. Ah, c'est celui de droite. Et nous, on veut aller celui-là, tout droit, à gauche. Mm-hmm. Donc tout droit, c'est là-bas, à gauche. Donc il faut y aller en nageant. Je vois pas d'autre alternative pour l'instant. Non, non plus. Là. Où? À gauche? À droite. Ouais, sauf que nous on va aller à gauche, c'est ça le problème. Ah là. C'est quoi ça? On a vu ça? Non. Oui, on a vu parce que ça a été enlevé là. Ouais. Donc on a vu. On a vu. C'est lequel celui-là? Ah.
Attendez, c'est marqué. Oui, on y arrive, c'est celui qui est en face là-bas. Celui-là, on n'a pas fait. Hein. Non. Il y a aussi ces cristaux là. Il y en avait un derrière moi là à l'instant. Il m'a semblé. Bon, on va aller voir sur les marches de l'escalier. Et ça apporte là, il y a aussi des cristaux. Alors. Ouf. Il est rouge. Qu'est-ce que vous avez vu là? Ah, il y a quelque chose là-haut sur le rocher. Ouais. Ouais. Ça m'étonnerait que je puisse y accéder tout de suite. Ah, des traces de patounes. Tout au fond. Ah ouais. Alors, ben ça on fera après. On va déjà essayer de voir si on peut accéder là-haut. Quelque chose. Ouf. Ouais. Ça me paraît bien loin. Attendez, j'arrive pas à... Non. C'est un peu. Ah si. Miracle. Ah ouais, j'aurais pas cru. C'est où ça? T'arrives là. Et là, c'est quoi ça? C'est au moment d'où on vient. On y était tout à l'heure. Ouais. Ouais, donc ça n'apporte rien. Oui, sauf qu'on n'était pas allé là. Hein. Voilà. On avait... Mais bon, tout y mène, il y a plusieurs. Voilà. Ouais, mais c'est vrai que c'est rendu difficile parce que. Par contre, attendez. Je ne comprends pas, c'est pourquoi en portant le masque, j'ai vu quelque chose, je ne sais pas. Ah, bah ça pointait vers l'objectif, c'est ça. Ouais, là-bas il y a un truc. Oui, là-bas il y a quelque chose. Il y a une dalle. Ouais, ça c'est une commande. Alors on va aller voir ça. Déjà ici on a vu qu'on pouvait rien faire. Qu'est-ce qu'ils font là? Non, rien. Cette malfaisance là. Tu peux rien faire parce que t'as pas de goutte. Oui, oui, tout à fait, j'ai pas de goutte. Je regardais. Qu'est-ce que je peux faire là? Essaye d'aller. Non, non. Quoi? Va sur la plaque. Oui, oui, on va faire. Mais il y a une... Voilà. Tu fais. Alors, ce que je ne sais pas, c'est si je vais là. Non, mais pardon, je vais R1. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé quelque chose. Alors. Il y a les cristaux qui s'étaient allumés. Ouais. Puis là-bas, on dirait une porte sous l'arbre. Je vois pas où il y a. Ouais. Les cristaux sont allumés. Mais il serait pas. Ouais, c'est pas, ça dure pas longtemps, je sais pas pourquoi. Bon, lui il s'allume. Est-ce que je peux avoir du vent? Non. 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 Non, puis ça dure une 50 secondes. Donc c'est pas ça. Bon, alors, pour l'instant on ne sait pas quoi faire. On va aller chercher notre ami Ruth. Attendez, derrière, en point de téléportation. Je ne sais pas si. Il faut faire ça pour le mettre sur la carte. Mais en tout cas, il est là, on pourra revenir. Hein. Plus on en aura et plus on pourra revenir. Bon, mais c'est pas ça qu'il nous faut, hein, les amis. Oui. Ouais. Kéla ne réagissait plus. Alors, il y a un route quelque part. Attendez ça. Les routes, ils étaient capables de déplacer ça. Oui, mais depuis de l'autre côté. Depuis l'autre côté, oui. Donc là, je ne peux rien faire. Hein. Ah. Oui. Ils ont des routes. Ah oui, et la pierre, il faut la mettre où? Là? Attendez. Là-bas, oui, sur le truc. Attends, mais je... Oui. Là. Ils peuvent y aller? Oui, voilà, c'est ça. Non, mais ils peuvent pas la monter, c'est ça le problème. C'est ça. C'est que, ouais, de là, je y accède, mais... Cette pierre, il faut la mettre quelque part. C'est ça l'erreur. Bon, là, c'est peut-être pas le cas. Non, c'est pas ça que je veux. Ah, c'est... Non, mais ça, c'est pour leur dire où. Si je leur dis là, ils peuvent pas monter. Donc, c'est pas l'endroit. Non. Non. Alors, on va essayer de voir. Où... Ah, là-bas, peut-être. Ici, il y a un cercle de pierre. Hein. Là, au centre de ça, j'ai eu une énigme similaire. Voilà, et relâcher. Je
j'ai eu une énigme tout à fait similaire. Et là, du coup. Donc je pense qu'il faudra un deuxième caillou. Ah oui, oui, c'est juste. Oui, oui, il y a un deuxième endroit là. Ah, regardez, ça a glissé là. Il y a quelque chose qui a glissé sur la droite. Le caillou, il est là. Oui. Et puis là, ça a glissé. J'ai vu le rocher glisser. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça, là, le petit route. Voilà, le petit route. Voilà. Et puis là, allez, je vais mettre ça là au centre. C'est particulièrement vicieux, déplacer l'objet. Et là, ça devrait ouvrir une droite. Voilà, et relâcher l'objet. Voilà, et maintenant, allez activer la dalle. En regardant du bon côté, ça peut venir d'ici. Ah, la dalle, elle scintille, regarde. Oui, les... Alors. Et tu peux aller tuer la machine. Quelle machine? Là-bas, il y a la fleur qui s'est ouverte. Ah, ouais, ok. Ouais, mais là. Ah voilà, et là nous avons une digue, une mule, on appelle ça une larme. Et t'as ton messager. Alors on va lui parler. Je pense que s'il y a ça, c'est qu'on va devoir éliminer les. These shrines were built on places of power. Their stones are very deep, connected to the flow of energy beneath the ground. Tu dois prendre ça pour libérer. Ouais, alors. Donc, attendez, parce que là, il faut que j'utilise des routes. Ah là, on va libérer où, Zelda? Est-ce que ça apporte quelque chose là-bas au fond? Je sais pas. Ou on peut aller essayer? Je sais pas, hein, c'est une idée. Ah, c'est remarquable. Oui, parce que lors d'une précédente vidéo, j'avais effectivement ces triangles de pierre sur le sol, mm-hmm. comme nous avons à droite. Et à force de tout essayer, j'avais mis la pierre au milieu. Et c'est là que ça avait activé une porte, c'était il y a deux vidéos de cela. Alors, utilisez des roues. Ok, donc maintenant, vous êtes comme... Oh, vous êtes puissant. Alors, attends, on va aller voir ça là-bas. Ah, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est ailleurs. Attendez, on va explorer un petit peu. Bon, en fait, je pense que dès que tu vas dans l'eau, ça s'arrête. Oui, mais alors, ça sert à quoi, là, d'avoir une arme? La malfaisance est partie, hein, par contre. Bon, on va quand même essayer, c'est peut-être. Je réessaye. Ouais, là. Voilà, ok, donc là, c'est bon. Là. Si je relâche et que j'y vais, il se passe quoi? Rien du tout. Ah, ça a lâché. Ouais. Est-ce que c'est parce que j'ai marché sur la dalle, non? Bon, là-bas, je sais pas si ça apporte quelque chose ici, mais c'est la seule malfaisance. C'est bizarre. Pourquoi cette larme est-elle là-bas? Ah, oui. Oui, bon, ça on a fait. Ah, j'avais pas fait. Du coup, ça m'a fait des ressources. Mais c'est bizarre. Oui, mais on n'a toujours pas. Ah si, c'est considéré comme acquis, hein. Regardez, ça a tracé le restaurer le sanctuaire. Donc là, le sanctuaire a été restauré. Ok, peut-être on avait une énigme similaire ailleurs, mais je n'ai pas compris là avec ces... Je ne sais pas. Voilà, nous sommes à 48 minutes de gameplay, nous allons continuer un peu. Oui. Voilà, et là, nous avons une larme. Alors, est-ce qu'elle sert à quelque chose? Sur des lieux de pouvoir. Their stones are buried deep, connected to the flow of energy beneath the ground. Sous la terre. Ok. Alors, je vais quand même regarder parce qu'on avait ces pierres là. Mais ça, non, ça ne sert à rien. Maintenant, je ne peux rien déclencher. C'est bizarre. Très très bizarre. On va quand même explorer. Bon, la seule malfaisance, c'est celle-là. Là. Oui. Mais. Ok, est-ce qu'on peut la diriger vers le... Non, ils vont jamais pouvoir remonter, c'est ça le problème. Moi, je n'arrive déjà pas. Là. Non, Kenya ne peut pas monter ici. Attendez, on n'est pas allé par là. C'est quoi cet endroit-là? On n'est pas allé. Puis on a encore notre route à aller chercher. Hein. Mm-hmm. Ouais, très bizarre.
Ça pourrait servir ici. Alors, inutile de dire que j'avais testé de mettre le pied dans l'eau dans une précédente vidéo. C'est la mort immédiate. Par contre, est-ce qu'on peut marcher là ? Côté. C'est dangereux. Ouais, parce qu'on veut bien sûr éviter que j'arrive dans ces coins. Donc, je m'attends toujours à ce qu'il y ait des ressources cachées. Non. Ah, il y a un coffre là. Ah, ah, vous voyez. Ouf. C'est là. Heureusement plus dans le. Ah. Ah, c'est quoi ça? Ah ah. Une vibration. Ouais. Okay, c'est... est-ce qu'on a libéré un sanctuaire? Oh, mais c'est quoi ça? Regarde sur la carte si on a libéré un sanctuaire. Non, c'est sûr, on a libéré l'autre, mais on n'est pas au niveau d'un sanctuaire, mais on est dans cette zone. Oh, attendez, là, de toutes les vitesses. Ah, ça fait venir ça. Ça fait venir quoi? Les pylônes. Attendez, j'ai pas vu. C'est-à-dire à droite, droite devant Devant, les pilotes qui sont devant. Oui, donc. Ils sont montés. Ah, ils n'y étaient pas. Non. Ah, donc on peut aller là-bas en face. Voilà, exactement. Aller en face, là, il y a peut-être une tour. Ah, il faut explorer. Explorer. Et là. Ah, c'est des dalles. Hein. Ouais, peut-être c'est la même chose, il y a plusieurs voilà. Possibilités. Ouais, je peux pas porter le masque. Là. Ouais, très bizarre. Tous les chemins mènent à ces endroits-là. Ouais, ah, on arrive ici. Mm-hmm. Ah, il y a quelque chose là. Route. Alors attendez. Il faut que je. Porte un masque. Je dois localiser les traces de Patoun. Ils sont allés où ces routes? De l'autre côté. C'était de l'autre côté? Attends. Donc c'est-à-dire. Bah, va déjà où t'étais là. Là, et je regarde dans ce sens-là. Dans l'autre côté. C'est-à-dire... Là, vers le chemin qui monte. Ah voilà, de l'autre côté, oui, ok. Allons chercher un nouvel ami. C'est parti. Ah, c'est bizarre. Ok, et là. Ah oui, mais c'est là qu'on peut pas aller. C'est mm-hmm. ça que je comprends pas pourquoi. Ah, il y a un bout de bois qui arrive derrière. Hein. Mm-hmm. Donc il faudrait que j'arrive peut-être sur le site en ayant tout à l'arrière. Peut-être, ouais. Donc là, ouais, les routes, ils ont peut-être la capacité de grimper, mais moi je ne peux pas. Là, je... Non. Alors il faut trouver un accès par là-bas derrière. Comment on fait ça? Attendez, l'arbre il est là. Mais avant d'être là-haut, il est là. Mais je peux pas y aller. Donc comment on y va? Peut-être via où il y a le coffre. Ouais. Pour voir comment on y accède. Alors attendez. On va faire un monstre détour. Là. Ça permet d'aller à hauteur. À peu près. Ensuite. Comment on pourrait. On peut grimper là-dedans. Attendez, oui, on dirait, mais ça serait bien si je pouvais rentrer dans ce tronc. Je ne vois pas comment, hein. Franchement. Si Zelda a une idée, c'est nous. Hein. Bah, essaye de retourner où il y avait les pylônes. Là-bas, ah oui. Ah, tu. Quoi? Parce que là, tu avais utilisé les routes. Ah, il y a un rocher. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Je n'avais pas vu. Ben, c'est le hasard, les amis. Ouais. Attendez, il faut le. Ouais, il faut que je pointe vers. Attendez, on va déjà l'amener là. Et puis on va voir où on le met. On va relâcher. Hein. Ah voilà, ok. Ah, il était bien caché, pervers. On l'aurait peut-être plus facilement vu si on avait exterminé. Cette malfaisance, alors, de toute évidence, on doit pouvoir peut-être le mettre quelque part là. Bah là où il y a les routes. Voilà, ici. Alors. Faut dire ouais. Que les routes doivent amener un objet. Oui, c'est ça. Allez, les petits. Petits. Ok. Ouais. Et puis, mets-le là. Est-ce que je peux vous dire de le mettre là-bas? Oui. Voilà, ici. Là.
Voilà, si on n'est pas sur site. Ouais, ouais, c'est ça, on doit pouvoir monter là, bien sûr. Ah, c'est vicieux, je ne l'avais pas vu. Moi non plus. Sur... C'est en appuyant sur R1 parce qu'il y avait marqué les routes que voilà. Voilà, et. Voilà, normalement ça devrait faire. Ouais. Je sais pas si. Et voilà. Ok, alors, ça, vous pouvez l'éliminer, on a dit. Oui, nous avons. Ouais, là, je ne peux rien faire, c'est eux qui l'enlèvent. Hein. Okay. Normalement, la route doit être par là. La route doit être par là. Alors, on va aller voir par là. Ah, et puis, il y a un accès là. Alors, on va porter le masque. Non, ça, ça ne sont pas les traces de patoune. Là. Bizarre. Attendez, non, je vais reporter le masque par là. Pourquoi vous voyez ces traces comme on les voit. Ah, c'est bizarre. Ouais, il monte là. Ouais, ok, donc il doit être quelque part plus loin. Bon, de toute façon, vu le niveau de difficulté pour accéder à la zone, allez, je vais quand même aller dans le recoin pour voir s'il y a quelque chose. Non, ouais, là-bas, il y a des trucs. Ah, on peut rentrer là-bas dans le dans l'arbre. Hein. Moi, je crois. Ah, on dirait, oui, oui, c'est pas une mauvaise chose. On y, on... Mais on en venait tout à l'heure. Mm-hmm. Ah oui, alors on avait dû passer par là. C'est quoi ça? Un route. Ah, c'est peut-être un truc à route. Non, et si je fais ça? Non. Oui. Ah, j'ai compris. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent déblayer. Oui, puis comment ils déblayent? Bah avec la goutte. Non, mais elle est trop loin. Ouais. Mais non, j'y arriverai pas. La goutte, elle est là-bas, il y a de l'eau. Non, bon, bah... Alors attends, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faudrait qu'ils arrivent à... Ouais, le route, il est là. Vous pouvez faire des petits routes. Ouais, avec la goutte, ça serait... Oui, tout à fait. Non, non, tu avais raison. Attendez, est-ce que... Ici, je peux... Attends, non. Parce que maintenant que tu as ouvert le chemin, est-ce que tu peux passer avec la goutte? Bah, il faut essayer. Alors Zelda, je passe les commandes. J'essaye, hein, je crois. Oui, essayons. Que... Mais c'est pas mal. Oui, oui, on a ouvert le chemin, c'est juste, oui. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Oui, voilà. Voilà, et puis juste avec le joystick droit. Voilà, c'est ça. Oui, oui, c'est ça, c'est pour ça. Alors, il faut faire vite parce qu'on va vite perdre. Oui, je sais, je sais. Ouais, je t'ai dit, c'est que. Voilà. Il faut déplacer elle, pas. Voilà, après tu les fais venir. Il faut déplacer un à la fois. Voilà. Oui, oui, c'est ça. Déplace-toi. Non, oublie-les, oublie-les. Toi, tu te déplaces. Oui, ben, j'essaye. Lâche, lâche et déplace-toi, toi. Non. Oui, t'as lâché. Oui, parce qu'ils étaient sur le. Où je devais passer. Parce que là, on arrive à remonter. Mais c'est bon, on va y arriver. Oui, oui, c'est à ça. Là aussi, l'observation tout à l'heure, on s'est dit à quoi sert cette goutte. Non, il faut arrêter Kenna et déplacer les bestioles. Voilà. Et maintenant, tu déplaces elle. Que elle. Tu t'occupes plus d'eux. Tu te déplaces. Et maintenant, tu les tires. Attends, je veux juste voir où je suis. Oui, mais il y a bientôt plus de blanc. Hein. Ils perdent de l'énergie. Oui, bah, j'essaye de faire ce que je peux. Voilà. Oui, c'est parce que... Voilà. Tu les amènes vers toi. Voilà. Maintenant, tu t'occupes de Kenna. Tu t'occupes plus d'eux. Tu montes. Tu les amènes vers toi maintenant. Voilà. Voilà. C'est super. C'est super. C'est super. On va y arriver. Voilà. Et maintenant tu les amènes et vite, virevoltage ou je ne sais trop quoi. Voilà. Non, mais dessus. Voilà. Oui, et voilà, un nouvel ami. Bravo Zelda. Youpi. Ah, elle était bien dissimulée. 21h35. Ok, alors maintenant on va prendre l'arbre, on va pas descendre, on va aller là-bas. Ouais. On va aller voir où ça nous mène, cela. Il va falloir explorer. Ouh, il y a de la malfaisance là. Ouais, alors peut-être. Donc, en fait... Donc il va falloir une deuxième goutte, je pense. Ou prendre la même goutte. Oui, il faut prendre la même goutte, mais elle est tout en bas, il va falloir faire vite parce que c'est loin. Oui, attends, t'as pas besoin de... Voilà. Non, il faut là. Non, ça c'est le rocher, ça il faut pas. C'est là. Voilà, là. Dès que le rond est là-bas. Oui, j'ai vu. Non. Ouais, le rond, il y était. Voilà, stop. Voilà, et maintenant ici. Voilà, là c'est plus rapide. Voilà, là on va gagner beaucoup de temps. Oh, voilà, ok.
Moi, j'ai remarqué que c'était comme ça que on y arrivait. C'est un stop, et puis tu t'occupes d'eux, tu les fais venir là. Ouais, mais je sais pas où ils sont. Non, c'est avec le joystick. Oui, mais je sais, mais je sais pas où oui, ils sont. Oui, mais perds les pas de vue. Descends-toi, vite, 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 vite. Voilà, stop. Voilà. Voilà, il faut, je crois, avoir un contact visuel avec eux. Voilà, tu viens avec. Ouais, ouais. Et puis maintenant, il faut faire vite. Hein. Il faut vraiment faire vite, Zendo. Oui, c'est facile de dire faire vite. Moi, non. J'arrive pas. Non, c'est pas un reproche. Ah, putain, je suis tombée. Ok, on va réessayer la possibilité. Oh, on s'y reprendra plusieurs fois, mais regarde. Ça, c'est quoi? Ça, c'est aussi des trucs à déblayer. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des amis, non? Pas forcément. Pas forcément. Ça, c'est le rocher. Okay. Ouais. Non, mais c'est bien fait, ce jeu. Il n'y a qu'un seul endroit là, je pense. Je ne sais plus. Ah, bizarre. Ouais, c'est bon. Ok, d'accord. C'est drôle cette ligne à ce route. Voilà. Non, contact visuel, voilà, qui viennent vers toi. Après, pareil, tu recules, tu les amènes. Voilà, ok. Et sinon, on a vite mal au cœur, hein. J'ai vu avec les mouvements de caméra, ça ne réagit pas comme on veut. Ah oui, puis maintenant, l'autre truc, je vois pas moi où elle est. Bah déjà, il faut faire venir ces bestioles, et puis, regarder où est la branche, je ne sais pas. Elle est où la branche? Elle est derrière toi. Voilà, ah, ouais. C'est foutu. Ouais. Ouais. Non, c'est foutu. Mais ça, il nous a manqué que quelques secondes. On en a besoin pour faire ça. Ouais, ouais, parce que là, je suppose, hein, j'en sais rien, on doit libérer quelque chose. C'est peut-être que pour le karma, je ne pense pas qu'on puisse aller derrière. Hein. Oui, mais là, c'est pour le karma, il y a une sorte de stèle. Ouais. Alors, on va s'y reprendre, on va y arriver. C'est très très bien, grâce à Zelda, on progresse. Ici, on a encore un peu d'énergie. Alors, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à trouver l'endroit par là. Voilà, là. Ok, venez par là les petits, voilà, vous gagnez de précieuses secondes, hein. Voilà, ok, c'est bon, ok, voilà, maintenant, voilà, c'est que elle, voilà, c'est assez mal fait ça, je vais aller, ah ben, ils ont éclaté, je ne sais pas pourquoi, ça a dû sûrement toucher quelque chose, oui, oui, je pense, oui. Bon, on va faire une ultime tentative, et puis, voilà. On va arrêter là. Après, on va arrêter. Je crois qu'on sature. On a fait beaucoup. Il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui sur ce jeu. Oups, voilà. Voilà. On est ici, voilà. C'est derrière moi, je pense. Oui. Il ne faut pas que je tombe sur la vidéo. Oui, c'est sûr que le problème de caméra, c'est qu'on ne voit pas où on est. Voilà. Alors, tu veux peut-être moins y aller. Ouais, c'est chiant pour la caméra. On court, que on ne sait pas où on va. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Bon, écoutez, on sature. On va juste tenter une chose, peut-être. On va juste déblayer ici. Et puis après, on va arrêter. Voilà. Voilà. Non, c'est dommage, on n'est pas là. Je vais quand même déblayer parce que j'ai appris à me méfier. Voilà. Voilà, ok. Voilà, mais là, je pense que je peux voir ce que je fais à peu près. À peu près, je sais pas, de 20. Ouais, il y a quelques. Voilà, et puis là, si je suis assez malin, ils peuvent virevolter entre les deux, ce qui peut être pas mal. Virevolter, c'est quoi? C'est R1. Voilà, je vais déblayer ce truc, c'est peut-être pas innocent. Hein. Peut-être que ça sert à quelque chose, j'en sais rien. Ouais, R1. C'est bien. Ouais. Non, il n'y avait rien. Mais bon, par acquis de conscience, ça valait la peine. Alors, on va se positionner là, et puis on va stopper pour aujourd'hui. En tout cas, ça a été une magnifique partie, avec de très belles choses. Mm-hmm. Merci Zelda. Ouais, merci. Merci beaucoup. Et puis, les amis, ben, merci de nous suivre, et à tout bientôt.